On a toujours l'impression que l'informatique c'est compliqué et que ça ne fonctionne jamais correctement. Pourtant, de nos jours, l'informatique est omniprésente et on ne peut pas s'en passer au quotidien. À tel point que parfois, lorsqu'une panne des systèmes survient, on ne peut plus travailler et on est au chômage technique. Aujourd'hui, il est indispensable d'avoir un prestataire informatique pour son entreprise qui va s'assurer du bon fonctionnement quotidien de tout notre réseau. Il y a encore beaucoup d'a priori sur les prestataires informatiques. On pense tout de suite qu'on va avoir affaire à un call center à l'autre bout du monde ou que c'est très cher et réservé aux grandes entreprises. On va voir ensemble 5 idées reçues sur les prestataires informatiques et si elles sont justifiées. Quand on pense service informatique, on imagine qu'il doit y avoir un service informatique interne à notre société qui travaille ou non avec une société de prestataires internes pour l'épauler. Mais qu'il y a quelqu'un, un directeur des services informatiques, un DSI, qui va chaperonner le tout. Ça veut dire qu'il faut recruter quelqu'un qui a des connaissances sur le sujet, de l'expérience, monter un service en interne avec quelques personnes pour gérer le pôle. Mais quand on est une petite ou une moyenne entreprise, c'est impossible de recruter pour ce genre de poste. Il n'y a pas forcément les finances ni la place physique dans l'entreprise pour les accueillir. Pourtant, nul besoin d'avoir du personnel spécialisé pour pouvoir faire appel à une société de services informatiques. En réalité, les prestataires informatiques peuvent être un atout précieux pour toutes les entreprises de toute taille, en particulier les petites entreprises. Elles peuvent ainsi bénéficier de l'expertise d'un professionnel qui va les aider dans des tâches, telles que la mise en place d'une messagerie électronique, d'un serveur internet, l'installation de logiciels ou la résolution de problèmes techniques. Un prestataire informatique peut également être une ressource précieuse pour des conseils sur l'utilisation de la technologie pour améliorer l'efficacité de l'entreprise. Déléguer votre informatique à un prestataire peut être bénéfique quelle que soit la taille de votre entreprise. Si vous vous demandez si vous devez ou non faire appel à un prestataire informatique, ne laissez pas la taille de votre entreprise vous freiner. La technologie c'est cher, surtout en entreprise, et on imagine que la protection de celle-ci va nous coûter encore plus cher, car c'est un domaine très compliqué et très technique. Après tout, pourquoi protéger son matériel et son réseau alors que chez soi, tout va bien et qu'on n'a jamais eu de problème sérieux que l'on ne pouvait pas résoudre par soi-même? On pense que mettre en place tout un système de sauvegarde de données, d'antivirus, de protection contre les cyberattaques ou carrément un plan de relance en cas de dysfonctionnement, ça va coûter très cher et que l'entreprise ne peut pas absorber ces coûts-là. En réalité, le recours à une société de services informatiques n'est pas aussi coûteux qu'on le pense. Et même, de nombreuses entreprises trouvent que l'externalisation de leurs besoins informatiques peut leur faire économiser de l'argent à long terme. Dans la pratique, le coût peut varier en fonction d'un certain nombre de facteurs, tels que la taille de votre entreprise, la complexité de vos besoins informatiques et les services dont vous avez besoin. En outre, en externalisant vos besoins informatiques, vous pouvez puiser dans un réservoir de connaissances et d'expériences spécialisées qu'il serait difficile et coûteux de reproduire en interne. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez vous concentrer sur le fonctionnement de votre entreprise et laisser les détails techniques à un professionnel. Cela libère votre temps et vos ressources, vous permettant de vous concentrer sur ce que vous savez faire le mieux. Dans l'ensemble, le coût du recours à une société de services informatiques en vaut généralement la peine, car elle peut vous faire gagner du temps et de l'argent à long terme. Grâce à leur expertise, ils peuvent résoudre les problèmes rapidement et efficacement, ce qui permet d'éviter les temps d'arrêt et d'assurer le bon fonctionnement de votre entreprise. Lorsqu'on discute avec des amis ou des connaissances qui parlent un langage geek, il devient tout de suite plus difficile de comprendre les tenants et les aboutissants de la conversation. Le secteur informatique est connu pour utiliser un jargon et un langage technique qui peuvent être difficiles à comprendre. Quand on discute avec un prestataire informatique qui vous parle de VPN, de VM en gigabit, d'adresse IP ou de SSSD, on a peur de se faire rouler dans la farine. Ça peut être une préoccupation majeure pour un dirigeant d'entreprise qui peut craindre de ne pas être en mesure de comprendre ce jargon et d'être exploité en raison de son manque de connaissances. Voyez ça plutôt du côté du prestataire informatique. C'est bénéfique pour lui, comme pour vous, que vous compreniez les tenants et les aboutissants de ce qu'il vous propose et des actions qu'il réalise. Si son client est incapable de comprendre ce qu'il fait au quotidien, c'est impossible d'engager une relation de confiance sur le long terme. Si vous vous sentez perdu au cours d'une conversation sur l'informatique, n'hésitez pas à demander des explications. Il y a de fortes chances que le prestataire informatique soit ravi de prendre le temps de vous expliquer les choses en termes simples. Et s'il ne prend pas le temps ou n'arrive pas à vous expliquer correctement son travail, on vous conseille de chercher un professionnel plus compétent. Quand vous avez un problème informatique à régler, personne n'a envie de tomber sur un call center ou une hotline sur laquelle on va attendre indéfiniment pour tomber sur une personne qui va lire un script rédigé à l'avance pour vous répondre et au final ne pas résoudre votre problème ou encore être déconnecté au milieu de la conversation et ne pas réussir à retomber sur la même personne. Si c'est quelque chose qui est assez courant chez les gros fournisseurs de services aux particuliers comme les fournisseurs d'accès internet par exemple, dans le monde professionnel, c'est souvent moins courant, en particulier chez les sociétés de services qui travaillent avec les TPE et les PME. Comment pouvez-vous être sûr que votre prestataire informatique ne délocalisera pas ses services à l'autre bout du monde?
monde. Le meilleur moyen, c'est de lui demander directement. S'il ne veut pas ou ne peut pas vous donner une réponse directe, demandez-vous si ce n'est pas le bon moment de chercher un autre fournisseur. Si vous cherchez à avoir une assistance réactive et de qualité, faites confiance à un prestataire informatique avec des équipes locales et compétentes. Si j'ai un prestataire, rien ne peut m'arriver et je peux tout lui demander. Si j'ai un problème, ils réussiront toujours à me trouver une solution. Il faut suivre les recommandations du prestataire, c'est pas parce qu'un contrat a été signé que tout va bien se passer. On voit son prestataire informatique comme un magicien qui réussit toujours à résoudre n'importe quel problème. Mais si c'est souvent vrai, il peut toujours y avoir des cas où vous n'avez pas fait les bons investissements et mis en place les solutions adéquates. Même avec la meilleure volonté du monde, votre prestataire ne pourra pas trouver un remède miracle. Ce qui nous amène à un point essentiel. Avoir un prestataire informatique ne vous dispense pas de continuer à investir dans votre informatique et de former vos équipes aux bonnes pratiques, aussi bien d'utilisation que de sécurité. De nos jours, même de grandes entreprises avec des moyens considérables sont victimes d'attaques diverses et variées. Vous n'êtes donc jamais complètement à l'abri. L'important étant de limiter au maximum votre exposition au risque en étant correctement accompagné par votre prestataire informatique et surtout en suivant ses recommandations. Un exemple, si vous utilisez encore un simple disque dur externe pour sauvegarder manuellement vos données, le jour où vous aurez un gros problème comme un cryptage complet de votre système informatique, n'attendez pas que votre prestataire puisse faire quoi que ce soit si votre disque de sauvegarde est endommagé ou crypté. Faites confiance à votre prestataire informatique et investissez là où vous en avez besoin. On croit souvent qu'on peut se débrouiller tout seul pour gérer l'informatique de son entreprise. Pourtant, c'est souvent chronophage pour au final avoir un système peu performant et pas sécurisé. Faire appel à un prestataire informatique vous permettra de déléguer les domaines que vous ne contrôlez pas, assurer une meilleure protection et gagner du temps pour l'investir aux endroits stratégiques pour votre entreprise. Si vous ne savez pas comment choisir le bon prestataire informatique pour votre entreprise, regardez cette vidéo qui vous donnera les critères importants dans le choix d'un bon prestataire informatique.